Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un flanc express avec trois ingrédients seulement. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. Premièrement, je vais prendre une casserole où je vais mettre soit une tasse de sucre, soit un verre de sucre. Je vais mettre la casserole sur le feu. Juste entre parenthèses, il ne faut pas mélanger au début le caramel ou le sucre. Je laisse un peu fondre et après je mélange. Sinon, je vais avoir des petites boulettes. Petites boulettes ou petites boulettes de, de sucre. Le mieux de laisser fondre un petit peu de sucre et après... Vous pouvez mélanger ou pas mélanger, juste vous prenez le poignet de casserole et vous tournez. <mérite> كاس ديال السكر على حسب كميه الكراميل او الكراميل اللي حبيتوا انكم تحضروه ونوضعه على النار من الاحسن انكم ما تحركوش في الاول تتركوه حتى يدوب السكر اما تحركوه باليد ديال الكاسرونه دوروه واما تخليوه حتى يذوب وتبديو تحركوه حتى نحصلوا على كراميل الا لاحظتوا انني ما ضفتش الماء غادي نتركه حتى يدوب بعد ناخذ واحد الآن الثانيه ولا الصينيه اللي غادي تدخل الفرن غادي الفلون من غير حمام مريم با غادي ندوبه نوضعه في الصينيه اللي تدخل الفرن نوضع الكراميل ونتركه على جنب حتى يبرد Après, je vais prendre un plat qui est trop four, je vais mettre le caramel. Vous pouvez ajouter euh, la quantité de caramel si vous voulez. À la place d'un verre, vous mettez deux verres comme vous voulez à la fin. Et je vais mettre le caramel dans le plat et je laisse à côté pour refroidir. Je vais prendre un autre plat où je vais mettre les œufs 7. J'ajoute un sucre vanillé ou un sachet de sucre vanillé et la même tasse de sucre qu'on a mis dans le caramel. Vous pouvez ajouter le sucre comme vous pouvez diminuer la quantité de sucre comme vous voulez. Juste pour tricher un petit peu, j'ai ajouté une cuillère à soupe de maïzena. Je mélange bien et j'ajoute 900 ml du lait. Je mélange et après je vais prendre le premier plat où il y a le caramel et je verse ce mélange dans le plat. Je vais le tamiser, on dit tamiser <laughs> et je mets. J'ai déjà chauffé mon four à 170 degrés, je mets mon plat entre 45 et 1 heure sans bas marée. Juste je mets le plat directement. ثانيا ناخذ واحد الانيه الخلط نوضع فيها السبع بيضات واحد الكيس ديال السكر فانيليا نفس الكاس اللي وضعت فيه الكراميل او السكر اللي وضعت فيه الكراميل هو نفسه عبرته باش نوضع السكر بالنسبه للسكر تنقصوا من الكميه كي تضيفوا اكثر من كميه الا حبيتوا الفلون يكون شويه حلو باش نغش واحد شويه يكون الفلان شويه عاقد ضفت واحد الملعقه ديال المايزينا او النشا نخلط جيدا بالضراب الكهربائي ونضيف 900 ملل ديال الحليب نخلط جيدا كما كتلاحظوا ناخذ الصينيه اللي وضعت فيها الكراميل ونصفي هذا الخليط هذا نوضعه ونصفيه من بعد سخنت الفرن على 170 درجه من غير حمام مريم نوضع الصينية مباشرة في الفرن وغادي يخرجوا واحد الفقاعات لان حبينا فلان سريع ولكن ما علينا الا حبيتو توضعوا في حمام مريم كما حبيتو نوضعه لمده ما بين خمسة 45 حتى الساعه بعد ما غادي نخرجوه من الفرن نتركوه يبرد جيدا حتى يبرد جيدا من بعد ندخلوه للثلاجه حوالي ساعتين حتى الاربع ساعات من الاحسن انه يبرد جيدا انا خرجته قبل ساعتين غير باش نبين او نوضح لكم كي غادي يخرج داير ولكن خليت الجزء الاخر انه يبرد جيدا غادي يعقد ويتماسك اكثر Après une heure, je l'ai sorti de four et après, je laisse bien refroidir et après, je le mets je mets mon flanc au frigo entre 2 heures à 4 heures, bien refroidir. Moi, je l'ai fait sortir avant, juste pour vous montrer, et après, je l'ai mis au frigo. Je l'ai laissé plus de 4 heures. Et voilà mes amis ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. تشتركوا في قناتي وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله